Danse avec les stars Camille Combal et Karine Ferry forment un duo inédit Danse avec les stars 2018. La prochaine saison réserve de nombreuses nouveautés dont le duo formé par Camille Combal et Karine Ferry à la présentation. Mis à jour le 17 juillet 2018 à 17h30, la prochaine saison de Danse avec les stars sera celle de tous les changements. A commencer par la présentation, avec l'arrivée de Camille Combal, et si l'année dernière, il y avait un co-animateur différent chaque semaine, cela ne sera pas le cas cette année. Karine Ferry, qui avait déjà participé à l'animation de l'émission avant de devenir candidate, sera prochainement aux côtés du nouvel animateur. Un duo inédit à découvrir prochainement autour d'un casting qui se fait attendre. Si seule l'actrice Héloïse Martin a été officialisée, Pure Media annonce la présence du comédien Clément Rémien, jouant dans la série Demain nous appartient. À quelques semaines de la diffusion de la prochaine saison, les téléspectateurs sont curieux de découvrir à quoi va ressembler l'émission de TF1 avec Camille Combal à sa tête. La présentatrice historique Sandrine Quétier ne se fait aucun souci, comme elle l'explique dans une interview accordée à Télé 2 Semaines. Selon elle, l'ancien trublion de Touche pas à mon poste va régaler le public, je suis persuadée qu'il va être top. Il saura apporter une touche différente et décalée. Il a énormément d'humour, on a pris un verre ensemble, on a discuté de plein de choses mais je ne lui ai pas donné de conseils car il n'en a pas besoin. Il a l'habitude des directs. Elle en profite aussi pour expliquer les raisons de son départ de Danse avec les stars. J'ai voulu faire un break et changer de vie, je n'ai ni amertume ni regret. TF1 a très bien compris mon choix et ses dirigeants ont été bienveillants avec moi. J'ai eu la chance de faire de merveilleuses émissions mais j'étais allée au bout de ce que je pouvais faire dans ce type de format. Lors de la Coupe du Monde, TF1 a communiqué sur ses programmes phares de la saison prochaine. Lors de la mi-temps du match France-Belgique, les téléspectateurs ont pu découvrir la première bande-annonce de Danse avec les stars, dont la saison 2018 est attendue pour la fin d'année. Dans ce teaser, on peut voir Camille Combal jouer avec son image, vêtue d'un tutu, la voix off s'amuse et prévient que l'animateur n'est pas complètement prêt. Un vidéo rigolote, à l'image de ce que pourrait apporter l'ex chronicorde TPMP au programme de TF1. Pour cette nouvelle saison de @Camille Combal, mais il n'est pas complètement prêt, danseur danse avec les stars, bientôt sur @TF1, pic.twitter.com/WHSQJVSILWNP, danse avec les stars, @dal-TF1, 10 juillet 2018 alors que le casting de Danse avec les stars avance progressivement, on en oublierait presque que les danseurs changent aussi parfois d'une année sur l'autre, c'est le cas pour l'édition 2018, puisque selon les informations du magazine Télé Loisirs, la danseuse Anaïs Riera aurait été recrutée pour remplacer Agi Bafami. Cette possible nouvelle arrivante serait âgée de 22 ans et serait spécialisée dans les danses latines. Bien entendu, rien d'officiel n'a encore été annoncé par la production de Danse avec les stars ou par la chaîne TF1, il va donc falloir se montrer patient avant d'en savoir plus. Par ailleurs, on a appris récemment que l'actrice Héloïse Martin, actuellement à l'affiche de Tamara 2, sera présente au casting de Danse avec les stars. Lors de l'avant-première du film, le danseur Christophe Licata est venu annoncer la nouvelle à sa future partenaire. Le duo en a profité pour effectuer ses premiers pas de danse ensemble sous les applaudissements du public. Danse avec les stars 2018 date TF1 n'a pas encore communiqué au sujet de la date de diffusion de Danse avec les stars 2018. On peut toutefois s'attendre à ce que les vedettes se jettent sur le dance floor aux alentours de mi-octobre comme c'est le cas depuis plusieurs saisons. Pour rappel, l'an dernier la saison avait été diffusée du 14 octobre et du 13 décembre. Danse avec les stars 2018 candidats. Les différents candidats de Danse avec les stars 2018 n'ont pas encore été annoncés officiellement par la production.
Pour l'heure, on sait que l'actrice Héloïse Martin a découvert son danseur en public lors de l'avant-première du film Tamara 2, il s'agit de Christophe Lee Kata. Du côté des rumeurs, Cyril Hanouna a toutefois évoqué certains noms dans Touche pas à mon poste. D'après ces informations, l'acteur Anouar Tabouli, Taxi 5, ferait partie de la nouvelle saison avec certitude. D'autres seraient encore en train d'étudier les propositions de la production, Enora Malagré, Lisandro Cuxi, Vincent Moscato, Gabriel des Kids United ou encore Iris Mittener et Docs Gineco. Qui sont les vrais, est-ce partenaires des vedettes de Danse avec les Stars? Voir la sélection Danse avec les Stars 2018 jury changement prochain sur le banc des jurés de Danse avec les Stars. Patrick Dupont devrait rejoindre les membres du jury de l'émission pour la prochaine saison. Le danseur français n'en est pas à son coup d'essai dans la télévision puisqu'il avait œuvré en tant que juré des saisons 2 et 3 de La France à un incroyable talent sur M6 entre 2007 et 2008. Pour l'heure, TF1 n'a pas encore confirmé son arrivée ni le retour des autres jurés stars Chris Marc, Marie-Claude Pietragala, Nicolas Archambault ou encore Jean-Marc Généreux. Danse avec les Stars 2018 gagnant bien évidemment, il est encore trop tôt pour annoncer le nom du gagnant ou de la gagnante de Danse avec les Stars 2018. Son nom ne devrait être révélé que mi-décembre si l'on s'en tient au calendrier habituel de diffusion du programme sur TF1. Pour rappel, c'est l'acteur Agustín Galeana qui a remporté l'édition précédente face à Lenny Kim et Tatiana Silva.